Je m'appelle Michel Maignan, j'ai 58 ans, je suis père de 3 enfants. Mes premières approches en matière immobilière datent de 1985. La création de la société Entre Lac et Montagne date de 2001. 2001 a été aussi une année capitale dans ma carrière puisque j'ai rencontré un architecte d'origine italienne, Georges Carpentieri, avec lequel nous avons eu le plaisir de construire ce premier immeuble dans lequel nous avons maintenant le siège social de la société Entre Lac et Montagne. Immeuble bien connu sur Annecy avec une architecture très particulière avec un toit en demi-coquille de Nautilus. Cela m'a donc donné envie de laisser une trace pour le futur, de construire et de développer ses activités de construction et de promotion et d'aménagement foncier. Nous avons réalisé une bonne quinzaine d'opérations pour 350 lots et actuellement nous sommes spécialisés en aménagement foncier, en construction d'individuels groupés et surtout en opérations collectives, que ça soit sur la plaine ou que ça soit sur la montagne. Notre secteur géographique de prédilection, c'est l'ensemble de la Haute-Savoie ainsi que sur la partie est de l'Ain. La notoriété de l'entreprise faisant, nous avons un nombre important d'opérations prêtes à démarrer sur la période 2016-2017 et probablement aussi un petit peu sur 2018 pour environ une production de l'ordre de 250 lots qui va nous permettre d'accélérer considérablement le développement de l'entreprise. Bien évidemment, 7-8 dossiers, 250 lots à construire, ça ne se fait pas comme ça. Le fonds participatif Anaxago est quelque chose de fondamental et de très important pour des entreprises indépendantes comme moi, pour se développer rapidement et efficacement.